C'est parti. C'est parti. Jingle. Bon, on fait un clap. Un, deux, trois, clap. Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora. Aujourd'hui, c'est une émission tout à fait particulière. Je me trouve au Théâtre du Merlan pour rencontrer les acteurs de la culture qui sont en lutte, qui occupent ce théâtre. Et chacun de ces occupants qui sont avec moi ce matin vont vous expliquer qui ils sont et pourquoi ils se sont réunis, pourquoi ils se mobilisent, quelles sont leurs luttes et quels sont leurs objectifs, et puis comment ils sont accueillis dans ces théâtres, comment l'institution les laisse occuper ou au contraire leur met la pression. Et c'est à vous qui veut commencer aujourd'hui. Il y a 4 personnes autour de moi, donc ça va être absolument génial. On peut raconter déjà comment on est arrivé dans les murs. Ouais, je pense qu'il y a un souci avec. Ah, regardez, hop, on va mettre ça épinglé. Hop, voilà, là. Super. Il est trop fort. On recommence. Toi, je te garde. Nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance. Donc, qu'est-ce est-ce qu'on que fait là? Est-ce que tu veux recommencer la présentation? Je refais le clap et tout. Tout le bordel. Ouais. On refait le clap et tout. Ouais. Bon. Ok. Et donc, on refait un clap. Si Marianne, tu veux pas raconter comment on est allé dans les théâtres? Ouais, on te raconte. Marianne aime bien les claps. Mais non. Ready? Vous êtes prêts? Un. Deux, trois. Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora. Aujourd'hui, c'est une émission tout à fait particulière, car je me suis déplacé dans le Théâtre du Merlan, qui est occupé par les acteurs de la culture, et j'ai avec moi quatre acteurs de la culture qui sont réalisateurs, musiciens, techniciens. Et ils vont vous raconter pourquoi ils occupent ces théâtres, ces lieux de culture, mais quelles sont leurs revendications, d'où viennent ces revendications, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils souhaitent, et puis quelles sont leurs relations avec l'institution du théâtre, mais aussi avec des institutions, la police, la préfecture, la mairie. Voilà. Qui veut commencer à raconter pourquoi vous êtes là ce matin, pourquoi vous avez passé la nuit ici pour occuper ce théâtre. Qui commence? Allez, Marianne, je suis musicienne. Donc, on s'est retrouvés ici le 12 mars, un vendredi. Suite à l'occupation de l'Odéon à Paris, venir demander l'ouverture des lieux, mais pas seulement l'ouverture des lieux. Et petit à petit, on a précisé on a travaillé sur ce dont on avait besoin. Et la première des choses sur lesquelles on est vraiment tous maintenant unanimes, c'est la première chose, c'est de surtout pas accepter cette réforme chômage qui nous prépare pour le 1er juillet, qui va précariser davantage tous les précaires, en fait. Et on en fait partie. Donc avant toute revendication catégorielle, c'est ça, c'est là-dessus qu'on est. C'est là-dessus aussi qu'on espère un élargissement, parce qu'en fait, ça touche vraiment. Cette réforme, elle fait rentrer dans le compte des indemnités journalières, elle fait rentrer dans la moyenne les jours non travaillés sur une période, ce qui fait chuter la moyenne de manière considérable. Ça, il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour le savoir. Et donc, une perte, on a calculé entre 20 et 30% par jour, en fait, de l'indemnité journalière. Oui, vas-y, Pierre. Et si je peux rajouter quelque chose, et vous m'occupez si j'ai des bêtises, mais surtout, cette réforme... L'important, c'est pour le régime général, donc 2021, régime général. Donc, tout ça pour dire que tous les intermittents ou tous les gens du SPLA qui sont aussi réunis contre cette mesure-là, ça montre aussi que ce n'est pas un mouvement qui est corporel. Ce n'est pas un mouvement qui intéresse une partie
de la population travailleuse. C'est un mouvement qui intéresse tous les Français parce que cette réforme de la retraite va impacter tous les Français. 1 200 000 personnes à compter de début juillet 2021, c'est-à-dire là, demain. C'était bien le motif de la première mobilisation à l'Odéon à Paris, la première occupation de ce théâtre, c'était bien la revendication contre la réforme des retraites. C'est ça. En fait, il y a évidemment... pas des retraites. Pas des retraites, du chômage. Du chômage, pardon. Chômage. En fait, c'est un vrai enjeu de compréhension. C'est que effectivement, il y a une occupation des théâtres et c'est pas pour rien qu'on est venu dans les théâtres. On est venu parce qu'on était aussi des travailleurs de la culture, que ce sont nos outils de travail et que du coup, nous n'avons pas de plan clair sur les réouvertures, sur la possibilité de faire nos métiers et que donc on est aussi concernés. Mais à partir du moment où on a voulu rendre visible ce combat, que ce soit par l'Odéon et toutes les scènes occupées, il était très clair qu'on ne luttait pas que pour nous, parce que justement, cette réforme, c'est un premier acte d'un mouvement global de précarisation encore plus grand que celui qui est déjà le cas actuellement, et que ça semble totalement inconséquent de passer une telle réforme, alors même qu'on est dans une crise pas possible, et que donc, oui, c'était dans les revendications premières à l'Odéon. Maintenant, la plupart des choses qui ont pu être lues ou entendues dans les médias, c'était que les artistes voulaient réouvrir les théâtres. Or, plus ça se précise, aussi on se coordonne entre lieux, et aussi ça a été précisé par l'Odéon rapidement, plus on se durcit aussi sur ce point. Parce que moins on est entendu, plus nous, on tient à ce qui nous rassemble aussi, et c'est dire que ça ne concerne pas que les artistes intermittents du spectacle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intermittents de l'emploi, et ça, c'est important parce qu'on rentre là-dedans, y compris les gens qui travaillent dans l'événementiel, les saisonniers, les gens qui sont déjà les intérimaires, tous les petits boulots, tous les gens qui sont concernés par les CDD et le cumul de ces CDD. Parce que c'est eux directement et nous directement qui allons être impactés à compter de début juillet. Voilà. Pourquoi vous menez ces revendications, ces manifestations dans des lieux clos plutôt que de vous trouver dans la rue pour rassembler davantage la population, pour expliquer à la population de manière très générale, de façon globale, qu'elle est aussi impactée par ces réformes? Alors, tu veux... Vas-y, je t'en prie. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que occuper les théâtres, c'est aussi se réapproprier des espaces, des lieux publics qui sont, au-delà d'être des outils de travail qu'on travaille dans le spectacle, qui appartiennent à tout le monde. Et donc, parler, lutter à partir de ces lieux-là qui sont dans la cité, des endroits éminemment importants, en tout cas, qui devrait avoir une place éminemment importante, c'est extrêmement symbolique et c'est fort et c'est puissant. Et c'est redonner aussi, recréer des espaces de parole, de discussion, de dialogue, de convivialité, d'horizontalité. Et moi, en tant qu'occupant de la criée, peut-être plus qu'ici, on peut voir que la verticalité, les rapports de force qui s'exercent dans les théâtres, avec les administrations compétentes sont extrêmement symboliques de ce qui se passe. Voilà, ils restent en haut et nous sommes en bas. Et c'est un peu aussi, du coup, c'est un ras-le-bol et peut-être une alerter aussi les gens sur l'état de la culture, l'état du monde culturel et sur l'importance que celui-ci aurait à qu'on aurait à remettre au centre de nos préoccupations aussi. Et après, rajouter quelque chose en termes de revendication. Si on a occupé les théâtres, c'est aussi parce qu'on a interpellé directement notre ministère de tutelle. Aujourd'hui, on s'adresse à deux ministères. On s'adresse d'un côté au ministère de la Culture, puisqu'on a besoin de réponses, on a besoin d'un plan de relance clair, on a besoin de transparence sur la manière dont les budgets alloués vont aller à l'emploi
et pas seulement au maintien des grandes structures. Ça, c'est essentiel pour nous, acteurs de la culture. On s'adresse aussi au ministère du Travail. Et pour notamment cette question de la réforme de l'assurance chômage, mais aussi pour nous, là, pour le coup, intermittents du spectacle, sur la prolongation de l'année blanche, parce qu'en fait, année blanche a été décrétée, mais sans dire à partir du moment où on reprenait. Donc en fait, on est toujours à l'arrêt. Il a été communiqué partout qu'on était privilégié parce qu'on avait eu ce dispositif-là, sauf que nous, on veut juste travailler, en fait. Et on est en train de vider nos caisses, nos caisses de solidarité. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que 73% des intermittents ont moins de 300 heures et que l'année blanche, elle s'arrête au 31 août. Donc, c'est aussi pour ça que c'est quand même important de recentrer aussi sur les théâtres, ce qui ne nous empêche pas d'aller dehors, de faire des événements. On a les Vendredis de la Colère nationalement, on va devant les Pôle emploi, dans la rue, etc., pour maintenir cette double revendication qui est à la fois un besoin pour le secteur culturel et aussi une alerte plus générale sur la casse sociale qui va avoir lieu à partir de juillet. Non, et puis aussi, moi je rejoins Pierre, parce que le fait d'être ici, ben, effectivement, les lieux sont fermés, mais on les ouvre au public, on fait rentrer des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce genre de lieu, comme ça peut se faire à la Criée, là, beaucoup, beaucoup plus qu'ici d'ailleurs. Et voilà, où des gens de tout le monde peuvent venir, c'est venir à tout le monde, et c'est ça, justement, recréer cette dynamique de parole avec le peuple qui ne vient pas spécialement dans ces lieux-là. C'est aussi ce. En fait, il y a qu'une partie des artistes et des techniciens qui travaillent dans ces lieux, qui sont des lieux financés, bien affichés, avec des programmations. Et la grande majorité des artistes et des techniciens, ils travaillent dans des toutes petites structures, ils galèrent comme pas possible. Et là, c'est aussi une manière, un moment, de venir occuper ces lieux, de dire on existe, ne faites pas comme si vous êtes les puissants, vous choisissez les heureux élus qui vont pouvoir travailler dans vos théâtres avec des salaires déclarés tous les jours de travail. Et nous, on n'est pas dans ce la plupart, enfin on est une grosse masse de gens qui sont absolument pas dans cette situation. On tente parfois il y a un mépris de ça. En gros, on tente de nous faire comprendre qu'il y a les bons artistes qui sont repérés et programmés, puis il y a les mauvais, en fait. Hein? Donc, c'est juste une question de classe, en fait, encore une fois. Il y a ceux qui décident de ce qui sera programmé, de ce qui va tourner à l'intérieur des grandes salles, etc. Et puis, les autres qui font des choses tout à fait honorables, mais qui n'ont pas cette visibilité, qui n'ont pas ces moyens techniques. Donc, aujourd'hui, on discute aussi de ça en se retrouvant. Donc, qui choisit quelle culture on montre? C'est quoi la culture dominante? Eh bien, justement, Marseille 2013, ville européenne de la culture, qui a été la casse d'un très, très, très grand nombre de petites associations, de petites structures culturelles qui se sont vues privées de budget parce que les organisateurs de cette ville européenne de la culture avaient choisi de privilégier des grosses institutions culturelles auxquelles elles accordaient leur budget. Et puis, ça me fait penser à... Il y avait deux événements qui m'ont vraiment marqué. Le premier événement qui avait été organisé dans le cadre de Marseille Vive la Culture, le premier événement, c'était le cri. Donc, on demandait à tous les Marseillais, enfin, à tout le monde, de crier en même temps. Moi, je ne sais pas si c'était un cri d'espoir ou un cri de désespoir. Et puis, le deuxième événement, celui-là m'a mis dans une rage folle, c'était les moutons dans la rue. Donc, on met les Marseillais sont des moutons, quoi. C'est ça qu'on vous montre. On ne vous dit pas, il faut... Enfin, c'est pas, il n'y a pas de tradition de pastoralisme à Marseille, quoi. C'est complètement ahurissant. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais à la Cabucelle, et passais les troupeaux de moutons qui venaient du corps pour aller à l'abattoir.
C'était ça, la vie des moutons à Marseille. Non, ce n'était pas le pastoralisme. Quel symbole. On ne les amenait pas manger l'herbe fraîche et des collines. Et puis, 2018, rebelote, on recommence, ville de la culture. Et qui s'en empare? L'union patronale. Et qui distribue, pareil, les budgets aux copains. La Criée, le Merlan, les quatre théâtres de... Comment ça s'appelle, suffit théâtre. De Bluzet, qui dirige le gym. Les grands patrons, en fait. Ah, ouais, et qu'est-ce qu'on donne aux petites compagnies? Il y a d'autres choses qui me mettaient très en colère, c'était les dimanches de la Canebière. C'était une belle idée. Pendant une journée, la Canebière était pour les piétons. Sinon, qu'on demandait aux artistes de travailler gratuitement. C'est ça. Et si tu ne veux pas travailler gratuitement, ce n'est pas grave. Mais ne vient jamais plus demander de subvention. Ah oui, au Conseil départemental, parce que Bernasconi a mélangé tout. Hein. Ben bien sûr. Son pouvoir dans le 1-7. Martine Vassal le continue à mélanger, le Conseil départemental. Mais en fait, moi, ça me fait penser, ça me fait penser si tu veux, forcément, là, ça appelle tout de suite ce qui se passe aujourd'hui dans les lieux, avec les directions des lieux. Parce qu'en fait, on retrouve en miniature ces mêmes systèmes-là. Il y a des lieux dans lesquels ça se passe bien, dans lesquels il y a du dialogue. On est clair qu'on tient des positions différentes. On n'est pas exactement au même endroit sur ce qu'on demande. Par contre, il y a des endroits où on peut recevoir du soutien. On ne peut pas dire qu'ici, on ait dû forcer la porte. On a été accueilli. On a été accueilli avec des négociations, mais accueilli. Par contre, c'est une forme de trêve. C'est-à-dire que si demain les lieux réouvrent, nous ne serons plus d'accord. Parce que ce que mettent en avant les grandes scènes nationales et les directions de théâtre, c'est de réouvrir quoi qu'il en coûte. Enfin, pas quoi qu'il en coûte, justement, mais coûte que coûte. Et nous, on dit qu'on ne veut pas ça sans que les acteurs du terrain, comme le disait Marianne, c'est-à-dire aussi toutes les compagnies indépendantes, tous les gens qui prennent de plein fouet, en fait, cette violence du rapport de force, déjà d'habitude, mais encore plus depuis un an, soit oublié au passage. Or, si demain on réouvre sans qu'on ait la confirmation qu'on a des droits pour les salariés et pour ceux qui font la culture sur le terrain en premier lieu, eh ben, ça va être une casse monstrueuse. Et du coup, sur ce rapport, si tu veux, de force qui a lieu, on voit très bien, là, d'un point de vue national, que ça s'exerce à différents endroits. Les nouvelles mesures du gouvernement, elles ont permis, on a le droit de manifester, hein, qu'on soit très clair. Je veux dire, même en temps de confinement, la manifestation n'est pas interdite. Donc, on est absolument légitime de continuer d'occuper. Tous les théâtres qui font leurs assemblées générales disent on maintient l'occupation. Par contre, là se réécrit le rapport de force. Il se durcit. Parce que c'est l'occasion de dire bon, bah, en fait, ce serait bien que peut-être votre occupation elle soit plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et qu'on entend donc les directions dire bon. Ça nous a amusés pendant un temps. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas exactement ce qui se passe ici, mais en fait, on est assez minoritaires, ceux qui sont dans un dialogue quand même régulier et plutôt fluide, même s'il y a des petits désaccords avec les directions. Mais dans l'ensemble, les directions se retrouvent à affirmer la position en fait, dominante, c'est-à-dire un certain mépris, en fait, des occupations, des occupants. Bah, c'est-à-dire il y a eu le même accueil à la Criée, même accueil bienveillant. Alors, pour vous dire la vérité, moi, la première fois que c'était le mardi, je crois, moi, je suis arrivé le jour d'après pour voir, j'avais entendu parler de cette occupation-là, de cette invitation de Macha Makiev avec des bus d'étudiants d'une école nationale. Donc, je suis arrivé extrêmement méfiant par rapport à cette initiative-là. Moi, je suis étudiant à l'université à Aix-Marseille, entre autres, et à côté aussi, je travaille de plus en plus justement dans des projets pro, dans des endroits subventionnés, endroits que je n'aurais jamais pu penser, mais donc de plus en plus, j'arrive dans ce milieu institutionnel et plus je suis dedans, plus je vois ce qui se passe à l'intérieur. Donc bref, voilà, je boule de débat, mais pour la Criée, donc cette invitation qui à la base devait être un peu, c'était une volonté, je pense, de Macha Makiev de soutenir ce mouvement-là tout en le contrôlant. Et le mouvement s'est élargi et elle a perdu un peu le contrôle, ce qui je pense, l'agace un petit peu.
En évitant les temps de quechua et la merguez. Exactement. Mais donc voilà, c'est là que nous, il ne peut pas y avoir de rapport de force, même intelligent, sans tension. Cette tension, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit la plus intelligente possible. Et donc, on est quand même dans un dialogue souvent, alors pas avec ce pouvoir invisible, mais avec d'autres gens de son rouage administratif qui s'occupent de nous, qui nous pomponnent. Materne, voilà, exactement. Donc voilà, c'est étrange. Je pense que c'est partout, c'est une espèce, en tout cas moi ce que je ressens, une stratégie de un contre-la-montre qui joue de allez, ils sont pas méchants. Et non, on n'est pas méchants. Mais en fait, le on représente énormément de gens. Et je trouve que cette méprise des directeurs de ces centres-là, voilà, faut faire attention parce que cette colère-là, elle est vraie. Et il faut qu'il y ait vraiment aussi un dialogue entre directeurs, là, parce que chacun là gère sa paroisse, sa chapelle, sa cathédrale, hein, n'est-ce pas ? Et il n'y a aucune unité au niveau national, aucune politique. Enfin, là, on voit vraiment que chacun, tous les barons, gèrent leur peuple, comme leur domaine, comme ils l'entendent. Bah, juste avec ça, on sait que... On sait que Makeyev, elle n'aime pas trop effectivement les syndicats et particulièrement le SFA-CGT parce qu'en fait, elle fait partie des scènes nationales qui ont été mises en cause par le syndicat qui mettait en cause le fait qu'elles ne remplissaient pas leur cahier des charges, à savoir qu'il y ait un pourcentage important du budget du théâtre qui soit consacré à la création et à la création avec des compagnies locales. Or, le pourcentage consacré à la création à Crier n'est pas atteint. Et en plus, dans le pourcentage qui est consacré à la création, il y en a, je ne sais pas combien, mais... genre 80 ou 90% qui est consacré aux créations de Masha Makeyev. Donc, quand on nous dit « Oh, mais c'est très bien ce qu'elle fait, c'est très bon, non, elle a les moyens, en fait. » C'est faux. Donnez les moyens à d'autres compagnies. Donnez les mêmes moyens à d'autres compagnies, vous aurez peut-être des choses magnifiques, merveilleuses, surprenantes. Donc, Au moins différentes. Au moins différentes, c'est clair. Je ne sais pas si c'est toujours l'actualité, mais les dernières informations dont je dispose, 80% du budget national de la culture est dépensé dans la couronne parisienne. Donc, en tout cas, il y a des rapports les provinces, dont Marseille fait partie, ne bénéficient que d'une très petite part du budget national. Mais c'est aussi vrai, tu sais, c'est aussi vrai sur des questions. Par exemple, moi, je travaille avec des compagnies de cirque. On sait que le budget de création alloué au cirque contemporain à l'échelle nationale équivaut le budget de fonctionnement d'un grand théâtre national parisien, que je ne nommerai pas. Et c'est dire aussi les rapports de caste, en fait, entre de hiérarchie des arts. Et en fait, c'est aussi tout ça, quand on parle de plan de relance, on dit évidemment qu'on a besoin de savoir économiquement ce qui va se passer et aussi temporellement ce qui va se passer. Mais c'est aussi de dire, ça débloque vraiment. Ça débloque vraiment ce qui est alloué aux uns ou aux autres, cette espèce de petite course justement à séduire les barons pour passer ce plafond de verre. C'était déjà insupportable avant, ce n'est plus tolérable maintenant. Pas dans la situation où on est arrivé, quoi. Et juste, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu disais. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé de très intéressant et symptomatique à Marseille, puisqu'on est plusieurs scènes occupées. Ici, donc le ZEF Marlin, on est arrivé le vendredi 12, et à la Criée, ils sont arrivés le lundi, après rendez-vous le samedi. Le vendredi soir, on était tous ici, hein, une partie des occupants, les occupants de la Criée étaient déjà avec nous au soir. Et en fait, on s'en fout, je veux dire, de pourquoi et comment. Par contre, il y a quelque chose qui s'est joué. D'un côté, on a essayé d'opposer les luttes avec, d'un côté, les vieux syndicalistes et, de l'autre, les jeunes pleins d'utopie. Et dans les deux cas, en fait, on s'est fait taper dessus puisque, évidemment, c'était tellement cliché que c'était un moyen de discréditer les uns et les autres. Heureusement,
l'intelligence collective, ça se fait quand même. Et on s'est réunis et on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble. C'est aussi pour ça qu'on est ensemble en train de répondre ici. Mais c'est dire combien il est plus que nécessaire qu'on se rejoigne et qu'on ne tombe pas dans ce genre de d'étiquette-là, parce que ça, ça fait vraiment le jeu des barons. Hier, je menais un entretien avec Agathe Cagé, qui vient d'écrire un livre dont le titre est « Respect ». Et à un moment de l'entretien, Agathe parlait d'infantilisation des populations. Et je lui répondais que moi, j'avais le sentiment que c'était plutôt des techniques de soumission qui étaient déployées par les institutions, par le gouvernement, pour écraser le peuple, pour supprimer les libertés. Tu n'as plus le droit de boire un verre de bière dans la rue. C'est juste ahurissant. Alors déjà, les possibilités de sortie sont quand même limitées, mais quand on sort, on a quand même encore la possibilité de pouvoir manger un sandwich, une glace ou de boire une bière. Là, ça me paraît un minimum. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment qu'on est en train de vous faire passer sous le joug, qu'on est en train de vous écraser, qu'on est en train de vous supprimer la possibilité de vous exprimer, de vous supprimer la possibilité de participer à l'organisation, au conseil d'administration des structures dans lesquelles vous intervenez? Parce que quand même, sans les théâtres, sans les lieux culturels, ben vous ne pouvez pas travailler, mais sans les acteurs de la culture, ben les théâtres ne peuvent pas travailler. Donc c'est ce que tu disais, il y a besoin de cette intelligence qui n'est pas forcément entendue a priori, mais sur laquelle il y a besoin de se rassembler, de poser des bases de discussion pour que tout le monde y trouve son compte et sa place. Ce n'est pas la direction, parce qu'elle a le carnet de chèques, qui doit décider de tout. Et c'est pas non plus, ce ne sont pas non plus les acteurs culturels qui doivent dire « la programmation s'arrêtera ça cette année ». Donc il y a ce juste équilibre qui doit être développé, qui doit être mis en place. Mais est-ce que c'est possible et comment c'est possible et de quoi vous avez envie? Moi, je répondrais bien sur le fait, on le voit bien depuis le début de l'occupation, la crise sanitaire et les mesures de distanciation, en fait, sont un prétexte. Sont un prétexte pour, au départ, nous dire « c'est pas possible, vous ne pourrez pas dormir là, il y a les mesures sanitaires, et puis après, on dort là. Ah oui, mais alors, vous ne pourrez pas dormir là plus de 10 parce qu'il y a les mesures sanitaires. Alors, oui, d'accord, on a le droit d'être 100 dans la journée et 10 le soir. C'est quoi ce ratio? Il sort d'où? C'est quoi ces chiffres? Et puis maintenant, de dire « alors, maintenant, il y a des nouvelles mesures puisqu'on a… » notre cher roi là-haut qui a fait à nouveau des annonces. Et donc, à nouveau, on est à nouveau recontacté par la direction du théâtre qui dit « Ah, le préfet vient de m'appeler, alors concernant les nouvelles mesures, il va falloir qu'on se revoie. » En fait, ils utilisent ces mesures sanitaires pour nous contrôler nous cerner. Et en fait, on sent bien qu'on est sur un siège éjectable, mais à tout moment. Donc, on ne sait pas. Il n'y a rien qui est publié nulle part. C'est-à-dire, on ne sait pas, dans un lieu comme ça, au niveau sanitaire, on peut dormir à combien de personnes? Il n'y a aucun chiffre. On peut être combien dans la journée? Alors, on sait que dans la grande salle, il peut y avoir 95 personnes. On le sait, puisque ici, la direction du théâtre accueille, fait des sorties de résidence des compagnies qui sont venues travailler et accueille 95 personnes en public sur le grand plateau. Alors, pas public, c'est réservé aux professionnels, bien sûr. Donc, on sait qu'il peut y avoir des gens sur le plateau, plus 95% dans la salle, et que ça, c'est conforme aux mesures sanitaires. Mais il y a un flou là-dedans, mais on sent bien la pression du préfet sur les théâtres, mais aussi sur notre mouvement. Ça, c'est les mesures là par rapport à la jauge publique, c'est une mesure qui vient du gouvernement. Dans tous les ERP, il faut qu'il y ait tant de personnes au mètre carré. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cette jauge-là ici, 95 personnes. Une personne pour 4 mètres carrés, ça. Je ne sais plus exactement le truc, mais voilà, c'est ça. Donc, ici, il y a différents protocoles dans l'espace. Donc, on a de la marge pour occuper, on peut dormir. Hein. En tout cas, juste pour information,
on essaie de maintenir vraiment, de respecter le protocole sanitaire, mais vraiment, c'est-à-dire que à la criée, comme je dis un peu, mais j'ai jamais autant porté mon masque que dans le privé. Non, mais c'est pour dire que on prend l'occupation très au sérieux, on fait attention pour justement être irréprochable, vu qu'on, comment dire, une espèce de, on essaie de d'éroder la cette lutte là, et on essaie de vraiment de faire gaffe, et on fait gaffe, et enfin je veux dire, et quand on fait attention, il y a pas de danger, en tout cas beaucoup moins que dans le privé où on sait que les gens ne se protègent pas, et il y a raison, parce que voilà, dans la sphère privée c'est compliqué de mettre pendant un an un masque, et on l'entend, et tout le monde l'entend, et je pense que 99% des gens le font. Là où moi ça m'interpelle cette question, c'est que par exemple on voit les copains occupants à 10, ils sont allés faire du spectacle dans les supermarchés pour montrer qu'en fait les injonctions qu'on nous adresse d'irresponsabilité en termes d'occupation, etc., au motif que c'est la crise sanitaire, elles ne sont pas juste, d'une part, parce que comme le dit Pierre, on est assez carré sur les protocoles, qu'on a des référents Covid, qu'on s'est formé, etc. Mais en plus de ça, parce qu'il y a des tas de lieux où ces mesures ne sont pas du tout appliquées de la même manière, et que ça, ce sont aussi des directives du gouvernement. Je veux dire, que ce soit les supermarchés, que ce soit les transports publics, il n'y a donc aucune raison qu'on ne puisse pas ouvrir nos lieux, d'autant plus qu'on s'est formé et qu'on était prêt au 15 décembre aussi, tu vois, à accueillir de nouveau du public et à partager des moments de sociabilité et de rencontres. Donc, c'est juste par rapport à ça, là où effectivement, moi, je partage dans une certaine mesure ce dont tu parles, c'est le côté arbitraire de pourquoi dans ces lieux-là et pas dans ceux-là. Pourquoi est-ce que dans des... Enfin, pardon, hein, c'est vieux lexique, mais pourquoi dans des temples de la consommation, c'est possible? Pourquoi dans des lieux de réunion et de sociabilité, ça ne l'est pas? Alors que, en vrai, il n'y a pas là de raison sanitaire à nous empêcher d'être. Bien sûr, mais même moi, je vais même plus loin que ça. Je pense que tout le monde ici met le masque pas par peur d'avoir le Covid, mais par peur d'avoir 135 euros d'amende. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place aussi. Enfin, moi, je sais que depuis un an, si j'ai le masque, ouais, je l'ai parce que j'ai peur d'avoir... Enfin, j'ai pas envie d'avoir une amende. En tout cas, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder pour ça. Après, je comprends tout à fait qu'on puisse le mettre et dans un souci de quoi que ce soit, certes. L'exemplarité et ainsi de suite. Enfin, c'est ce qu'on met en place. Effectivement, on nettoie tout, machin, c'est... Si ça doit être un protocole qui doit être mis en place maintenant pour qu'on puisse travailler. Après, moi, je ne travaille pas dans les salles. Moi, je travaille dans l'événementiel essentiellement. Je travaille dans les festivals. Je suis artificier. Pareil, on n'a pas eu le droit de tirer un feu d'artifice l'année dernière. C'est complètement aberrant. Et les gens continuent à payer les impôts pour ça. Parce que moi, je travaille dans le... Enfin, quand on fait du spectacle de rue, ainsi de suite, c'est du spectacle gratuit avec des budgets qui s'amusent de plus en plus, qui sont de plus en plus réduits. Et pour offrir... cette fête populaire qu'on nous a enlevée, là, on nous enlève tout, la sociabilité, les petites associations, un enfant ne peut plus aller prendre des cours de quoi que ce soit, c'est pas possible, quoi. Et du coup, les associations, elles sont en crise, parce qu'elles ne sont pas subventionnées, ainsi de suite. Quoi. Dans les choses aussi qu'on a travaillées en AG, en commission et tout ça, on s'interroge aussi beaucoup sur c'est des moments... ces moments d'occupation, de regroupement, on a aussi du temps pour réfléchir, parce qu'on a beaucoup parlé au premier confinement, il y aura un monde d'avant, un monde d'après, et on se rend compte que non, le monde d'après, c'est ce que nos puissants nous préparent, c'est le monde d'avant en pire. Donc là, nous, on a quand même aussi des moments où on se dit ben, c'est quoi, de quoi on a besoin, on essaye de réfléchir à ce monde d'après, et où on a travaillé pas mal, on s'est questionné sur cette culture, cette culture qui est une culture qui continue d'être malgré certains artistes, certains grands penseurs, qui continue d'être une culture dominante et bourgeoise, et donc comment on renverse ça. Comment la culture avec les moyens d'État, elle va au croisement de la culture populaire, de l'éducation populaire, comment on peut tisser ça? Et c'est le moment de s'interroger là-dessus, parce qu'on est toujours dans les mêmes fractures, on est toujours
avec les mêmes fossés, avec les mêmes... Par exemple, il y a un atelier qui est conduit ici régulièrement, en partie par le Sinavi, mais sur le paradigme vraiment du fonctionnement, enfin, en cours dans le fonctionnement de la culture. Et un de nos ateliers où on travaille ensemble et on essaye de justement repenser, comme le disait Marianne, ce monde de demain, c'est de dire qu'il faut un changement de paradigme. Jusque-là, on est encore dans la logique du ruissellement. On est encore dans la logique de cette culture ascendante, enfin la culture qui descend sur les pauvres gens, quoi. Et nous, on défend une culture avec un paradigme qui serait celui de l'irrigation. C'est les mots du Sinavi, mais je pense que c'est quelque chose qui est partagé par ailleurs. C'est-à-dire, bah oui, il y a la puissance, elle est là, en fait. La force de travail, elle est là. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas ce... Pardon, je trouve pas le mot, mais bref. En tout cas, on compte. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut opposer absolument tous les rapports. Il y a besoin d'acteurs différents. Néanmoins, on ne peut pas arriver en dernier alors qu'on est à 90% de ceux qui font la culture. Il y a besoin de faire comprendre à tous que les lieux de culture leur sont ouverts. Il y a encore trop de personnes qui n'osent pas aller visiter un musée, aller à l'opéra, aller écouter un concert de musique classique. Il y a encore trop de freins, mais parce que peut-être que les tarifs ne sont pas adaptés à ces personnes, qui ont peu de moyens, parfois bon, pas suffisamment pour se nourrir. Mais il y a surtout ces freins culturels. Symboliques. Les barrières mentales. Ouais. Et puis, il y a ce truc-là de patrimonial où tout le monde ne s'y reconnaît pas. Et c'est-à-dire que, en fait, tu parlais de culture dominante, oui, elle est éminemment présente partout, mais la culture, elle se fait aussi pour et par le peuple. Bien sûr. Et donc, c'est ça aussi... En effet, il y a plein d'ateliers, nous, qu'on a commencé à lancer sur l'histoire des politiques culturelles, sur plein de choses qui sont en route pour établir un dialogue, pour penser justement à un autre paradigme, à d'autres modèles. Et ça, c'est des choses concrètes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi autant de directeurs de théâtre l'ont vraiment ouvert pendant le confinement en disant « Oui, le monde d'après sera différent. » Tout l'aristocratie de la culture... à parler, mais finalement, dès qu'il faut agir, dès qu'il faut avoir une vraie action presque révolutionnaire, en tout cas révolutionnaire par la pensée, ils ne sont pas là, ils ne sont pas avec nous pour penser. C'est une invitation, tout se fait dans une intelligence totale. Tout est, enfin, je veux dire, il n'y a aucune. La violence, c'est leur mépris pour l'instant, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre et à vivre pour. Enfin, vraiment, voilà, c'est quelque chose moi, qui me met dans une rage folle. Et voilà, je sais plus quoi dire. Bon, et moi, je voudrais juste inviter tout le monde à nous voir au Mérin, parce qu'ici, c'est journée du patrimoine tous les jours. Et voilà, on peut visiter le théâtre quand vous voulez. C'est une institution ici, justement, on parlait de ruissellement de subventions et compagnie. C'est marrant de voir deux scènes subventionnées par l'État sur Marseille et qui ne sont entretenues absolument pas de la même façon. Quand on va ici, il faut venir voir, c'est assez intéressant de faire la comparaison des deux. Là-bas, tu manges par terre, il y a un chien qui pisse, il y a quelqu'un qui nettoie direct, c'est propre, c'est blanc. Ici, on est dans les quartiers nord, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui se passe ici, contrairement à là-bas, ici, bon voilà. Personne ne va vouloir venir, c'est bien ici. Ici, au contraire, venez, 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 venez. Moi, je dis, venez, quoi, vraiment. Là, on est en cours de. Ça, c'est pour le côté pratique aussi. On a construit en début de semaine dernière. Un planning commun pour justement permettre qu'il y ait et des rendez-vous communs et en alternance des rendez-vous ciblés à la criée, des rendez-vous ciblés ici, parce qu'en fait, ne nous leurrons pas, on occupe ensemble. Et du coup, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça qu'on a alterné les assemblées générales, par exemple. Dans tous les cas, les théâtres sont ouverts. Il faut le dire, il faut le redire, il faut le redire. Il y a des permanences ici, il y a des permanences à la criée, il y a tout le temps quelqu'un. En fait, n'est pas forcément obligatoire d'aller dans un atelier, de venir à une assemblée générale si c'est trop impressionnant ou quoi, mais venir faire une banderole, boire un café, comprendre de quoi il s'agit et quelles sont nos luttes,
c'est possible vraiment à tout moment, quoi. Oui, oui, le passé, passer n'importe quand, dire bonjour, questionner. Manger un morceau si vous avez besoin aussi. Il ne faut pas hésiter. Hein, ouais, et venir apprendre comment ce sont les métiers de la marine qui ont investi les lieux de théâtre. Bien sûr. Parce que c'était au moment où la marine à voile disparaissait et le théâtre se développait. Donc, tous ces ouvriers de la marine qui n'avaient plus d'emploi se sont retrouvés dans des théâtres. Et c'est pour ça qu'on trouve autant de lieux des métiers de la marine qui sont utilisés dans le langage c'est du théâtre. C'est nous, les gars de la marine. Donc, je crois que c'est bien d'organiser des ateliers de visite, et d'apprentissage, de découverte. Et d'auto-formation aussi, ouais. Parce qu'en fait, c'est essentiel. Il faut, encore une fois, hein, ce qu'on défend, c'est une lutte. Je veux dire, ce n'est pas non plus une colo. Et voilà, c'est mon côté un petit peu pragmatique. Mais, non, mais c'est oui, bien sûr, c'est ouvert. Et oui, bien sûr, on peut venir quand on veut. Et il y aura des moyens de se former. Et nous, on s'auto-forme aussi sur des sujets sur lesquels on n'est pas encore suffisamment précis, parce que, évidemment, ça fait partie d'une lutte en cours, de se dire, ah, mais tiens, sur ce sujet-là, on a besoin de se muscler. Tiens, là-dessus, on n'a pas le bon outil. Comment on fait? Ah, il faut qu'on se coordonne entre lieux à l'échelle de notre ville, parce qu'on est plusieurs à occuper des lieux, mais à l'échelle régionale et enfin à l'échelle nationale. Je veux dire, tout ça, ça fait partie aussi de... du corps de la lutte. Rappelez cette lutte. D'où elle part? Pourquoi vous mobilisez? Enfin, moi, il y a quand même un truc que je voudrais rappeler. On dit c'est ouvert et venez prendre un café, etc. Mais il y a aussi urgence en fait à ce que les gens viennent. Parce que on a l'impression, en restant isolés comme ça, on a des liens, par exemple, en étant au Merlan. On a des liens, on a des copains qui sont gilets jaunes, qui viennent régulièrement à nos assemblées générales. On a des liens qui commencent à se tisser avec l'après-m, le McDo qui est en autogestion, réquisitionné sur le territoire pour délivrer des paniers aux familles démunies. Mais quand même, la première des revendications qu'on a dit, on ne lâchera pas, on ne quittera pas les théâtres, c'est cette putain de réforme chômage. Et ça touche tout le monde. Et si on n'a pas un élargissement rapide, parce que cette réforme chômage, c'est le 1er juillet, c'est demain en fait. Et si on nous laisse nous en catégoriel par rapport à ce front-là, elle est perdue, la bataille. Elle est perdue. Donc, il y a urgence à ce que les gens viennent, que non seulement qu'on parle de culture, etc., mais qu'on parle aussi de la situation des précaires et qu'on s'en saisisse et qu'on le fasse à plusieurs, quoi. Enfin, à plusieurs, à toutes les composantes, tous les gens qui sont touchés. C'est ça. C'est avant tout, comme on le disait tout à l'heure, se réapproprier un lieu où la parole est éminemment importante et où finalement la parole retrouve son sens par l'action, par une action populaire. Et ça, c'est pas un maigre butin, quoi. Ça, déjà, on l'a. On n'est pas. Les noyaux sont pas encore très nombreux, mais voilà, venez rejoindre, venez parler, venez vous renseigner, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure école comme citoyen que ce genre d'action, en fait. Et c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans les écoles, qu'est-ce qui se passe dans les formations, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail, pour que à tel point on se sente incompétent dans notre citoyenneté. Dépossédé de citoyenneté. Ah. Et puis alors là, le Covid, il arrive à point nommé. En fait. Et comment les médias vous montrent, vous accompagnent dans ces mouvements? Dans les médias, on entend parler tous les jours de la Covid, de quelques manifestations, des accidents de la route. Et moi, pourtant, je fais ma revue de presse tous les matins, je n'entends pas parler beaucoup de l'occupation des théâtres marseillais. Bah là encore, en fait, on retrouve exactement le même système, c'est-à-dire que les médias indépendants, ici, on a eu beaucoup d'interviews, beaucoup d'émissions de radio, des petits articles. En fait, c'est des médias indépendants, des médias de gauche, et c'est vrai à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les grands quotidiens
Alors là, en fait, oui, c'est vrai qu'on a eu la Provence. Non, mais je veux dire, la couverture, il y a un quotidien national. Voilà. Oui. Mais hey, là, je me suis amusée de ça il y a 2 jours parce qu'en fait, j'ai vu que enfin, Le Monde faisait un article sur la réforme de l'assurance chômage. Bon, sans citer précisément ce qui est en train de se passer dans les théâtres, mais du coup, en disant oui, les économistes s'éloignent de Macron, ceux qui l'avaient soutenu, etc. Mais en fait, c'est désespérant parce que soit on parle de nous en disant « Ah, c'est des artistes qui veulent que les théâtres réouvrent », ce qui est vraiment une mécompréhension totale de tout ce qu'on dit et de tous les communiqués qu'on fait paraître depuis maintenant 3 semaines. Et sinon, on ne parle pas de nous. Mais c'est exactement la même chose qui se passe, je veux dire, au niveau du ministère. C'est le même type de mépris. Bien sûr, parce que les grands, ceux qui dirigent les théâtres, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça réouvre. Le reste, ça ne les regarde pas. Mais c'est quand même assez désespérant. Je veux dire, d'un point de vue de la presse. Ah oui, c'est... Là, il commence à y avoir des petits feux. Voilà, une petite parole sur France Inter, un petit feu là, le canard qui quand même relaye un peu. Bon, ok, c'est déjà ça. On a déjà arraché ça, parce qu'on se bat pour. Mais moi, je trouve ça désespérant que les médias soient exactement encore dans cette même question de ne pas porter, je veux dire... nos revendications, de ne pas les accompagner ou de les stigmatiser aussi avec ce front de Enfin, il y en a qui se relayent beaucoup et il y en a qui se relayent moins. Ah ben oui, c'est ça. Vous voulez qu'on fasse la pause de cigarette? Non, mais on peut continuer. Je vais me rouler tout seul. Moi, j'avoue, j'avais pas prévu parce qu'à la base, je m'étais dit bah, 10h, à 11h je vais tracter et à midi il y a l'événement à crier. C'est un peu ambitieux, je pense. Ouais. Vous pensez que combien de temps d'émission? Oh, au moins une demi-heure. Non, mais là, on a fait 40 minutes. C'est, hein. Ouais, on a. C'est pas 20 minutes là qu'on a fait. Non, hein. C'est une conne. Est-ce que tu arrives à voir l'ancien enregistrement? On peut regarder sur. Mais c'est enregistré. Attends, qui l'a enregistré? Est-ce que tu as enregistré le précédent? Oui, oui. Tu l'as retrouvé là? Non, mais parce qu'il doit être. À mon avis, il est nickel. C'est pour ça qu'à mon avis, le seul truc qu'on a là, c'est le zoom. Comme ça a bugué, je ne sais pas s'il a été enregistré. Je regarde. Si tu sais faire, oui. Alors, Juliette, je ne me suis pas réveillée. Ouais. Signe qu'il faut que je me repose aujourd'hui.
Je suis vraiment désolée pour la radio. Et je suis sûre que Pierre est hyper chouette pour l'émission. Allez, bon, bah, déjà, tu as eu le caresse matinale. Comment tu vas sur ce qui a été enregistré, tu sais? Ouais, mais ce que je peux faire, c'est à priori, mieux que ça. L'éteint. A priori, il a dû enregistrer. C'était un enregistrement. En fait, comme il a... User, comme document zoom. Ouais, mais peut-être on peut regarder combien il y a de minutes. Je vais te dire... Sur l'enregistrement son, comme ça on se fait une idée de ce qui reste. C'est une heure, toi, les formes. User document zoom. Ouais, 40-45 ouais, minutes. Tu l'auras pas là tant que Zoom n'a pas fini l'enregistrement. Tu le trouves pas sur le disque. On est à 45 minutes exactement. On se fait une petite conclusion. Ouais. 45 minutes, ça va. C'est... Pierre, oui, t'arrives à tenir 10 minutes encore ou tu... Ouais, oui, évidemment. Bon, on se fait la clap après, on fait la conclusion d'abord. Ouais, pour refaire un clap, mais est-ce que vous connaissez l'utilité du clap, les amis? Oui, c'est de raccorder. Voilà, mais sauf que si vous en faites deux et légèrement décalé, vous foutez toute la... En plus, la vérité, c'est que maintenant, avec les logiciels, quand même, à part pour quand tu as beaucoup de pistes, on n'a qu'une, tu vois directement au début, tu vois ce que je veux dire? Au début de ta piste, qui est vraiment le clap ou pas, s'il n'y a qu'un enregistrement. Non. Là, pour celui-là, il va être important pour le deuxième. Donc, j'en ferai pas un deuxième. Je te laisse le faire. Mais pour, peu importe si tu veux le caler, c'est toujours. C'est juste un truc précis qui est à la fois visuel et à la fois sonore. Et tu cales et tu t'emmerdes pas, tout est calé. Si tu as clac-clac, ben. Bon, là, de toute façon, on s'en fout, il n'y a pas de vidéo. Bonjour, Jackie. Comment tu te portes? Déjà, je me porte. Ah, c'est pas alors, on finit. On a besoin d'un quart d'heure pour finir l'émission. Un quart d'heure. Alors oui, c'est 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Elle veut de la thune, Jackie. Elle veut de la thune. Pourquoi tu veux des sous? J'ai besoin de te le dire. J'ai besoin de sous. Bah si. Ah, mais je viens. Moi j'ai la caisse. C'est pour le truc. On en a parlé hier. Alors moi je donne tout ça. C'est du petit matériel. Ouais, donc on peut pas avoir de... Est-ce qu'on peut éteindre le moment où on distribue des liasses de vidéos? Les argis se bidonnent. C'est clair. Très bien. Bon, un petit clap. Allez, hop. Eh bien, il nous reste un quart d'heure pour vous apportiez, non pas une conclusion parce qu'on n'est pas encore au bout de cette lutte, mais quelles sont les prochaines initiatives que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez l'intention d'occuper d'autres lieux? Est-ce que vous avez l'intention d'aller dans la rue, d'associer la population marseillaise à votre lutte, qui, je le rappelle, est à l'origine de la réforme du chômage? Qui met en grand danger toutes les personnes qui sont des intermittents, qui sont des précaires, qui ces personnes-là vont voir leurs indemnités largement diminuer si cette réforme est mise en place. Et il faut se souvenir que cette réforme est présentée à l'Assemblée le 1er juillet. Donc c'est vraiment demain. Elle n'est pas présentée à l'Assemblée, elle a déjà été décidée, en fait, elle rentre en application le 1er juillet. Mmh. Ce n'est pas un projet de réforme, c'est une réforme. Mmh. Et il faut être clair que ça commence au 1er juillet. Ça ne va pas être voté au 1er juillet. Enfin, alors, et quelle est la situation des intermittents du spectacle qui s'étaient vus promettre leurs indemnités jusqu'au mois d'août? Alors, nous, je parle en tant qu'intermittente du spectacle. Mais après, on revient sur vos prochaines luttes. Oui, bien sûr. Et en tant qu'intermittente du spectacle, nous ne sommes pas directement concernés par cette réforme pour l'instant. C'est-à-dire que l'acte 1 de cette réforme, elle rentre en activité au 1er juillet. Nous sommes des annexes spécifiques. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas concernés. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sait que, de toute façon, si cette réforme, elle passe, ce n'est que le début.
d'une case sociale et que bien sûr on va être concerné à un moment donné, d'autant plus que l'année blanche pose plein de questions pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici tout à l'heure. Bref. La mobilisation des acteurs du théâtre, c'est en solidarité avec toute la population et avec tous les régions. Les précaires. Tous les précaires. Les plus précaires qui vont être directement impactés. C'est pas une lutte sectorielle. C'est aussi une lutte sectorielle. Oui, c'est parce que vous êtes concerné, mais c'est une lutte davantage globale qui concerne tous les précaires. Oui, pour le retrait de cette réforme assurance chômage, et il y a aussi des demandes spécifiques concernant le plan de relance pour les acteurs de la culture, concernant une visibilité pour la manière dont on va pouvoir reprendre notre travail. C'est aussi pour ça qu'on demande un élargissement de l'année blanche à tous les intermittents de l'emploi, mais aussi une reconduction du travail, mais aussi une reconduction de l'année blanche pour nous, intermittents du spectacle, qui ne sommes pas du tout en mesure, là, au 31 août, de renouveler nos statuts, puisqu'on n'a pas pu travailler et qu'on n'a toujours pas repris. Donc, et y a quand aussi, même cette... on demande aussi, parce que les primo-entrants, oui. qui oui. auraient dû rentrer, les plus jeunes, donc qui devaient commencer à travailler dans cette période-là, qui, ne, comme ceux qui sont déjà, n'ont pas pu faire leurs heures, n'ont pas pu travailler, ont été empêchés parce qu'on nous a interdit. Il faut rappeler quand même que c'est ça, on nous a interdit de bosser. Hein, on ferme les théâtres et en plus on nous interdit de bosser. Et pour préciser aussi, voilà, il y a aussi des étudiants, donc des gens qui ne sont pas encore dans la vie professionnelle qui font partie du mouvement. Et aussi, il y a un problème que là, je viens de réaliser, mais moi j'ai fait pas mal de stages. En gros, cette année j'ai dû faire peut-être presque 600 heures. J'ai fait un stage de 1 mois et demi, plus après j'ai travaillé pendant. Presque 2 mois sur 2 créations différentes dans des théâtres subventionnés, pardon. Et ce que je vois, c'est que en effet il n'y a pas de souci parce que dans sur les budgets de 2020-2021 les résidences ont lieu, etc. Donc c'est à dire que un faible pourcentage, mais de ces acteurs là du spectacle vivant travaillent. Alors, c'est absurde hein, parce qu'on répète pour rien ou pour jouer dans des professionnels. Donc, ça questionne aussi donc, toute la question de la représentation et autres. Mais voilà, donc il y a une partie qui travaille. Et c'est là qu'on voit la scission, c'est là qu'on voit l'incompréhension, c'est là qu'on voit la méprise, parce que finalement, c'est la réforme sur l'assurance chômage montre que c'est un seul et même sujet, que c'est un seul et même personne de travailleurs, pas forcément intermittent. C'est pas la question. La question, c'est. Recréer un dialogue, parler et lutter pour se faire entendre, pour avoir aussi se faire entendre et pour pouvoir discuter. C'est quand même incroyable d'avoir une autorité qui est aussi réfractaire à la discussion. Pourquoi est-ce qu'avec toutes les institutions, c'est aussi compliqué d'avoir des rendez-vous le rendez-vous, ce n'est pas tous les 5 ans, non? Parce que là, justement, là, on gagne du temps jusqu'à l'année prochaine. Enfin, je veux dire, C'est permanent le dialogue qu'il doit y avoir avec la population, oui. avec les acteurs de n'importe quel secteur. Quelles sont vos prochaines initiatives? Sauf si vous voulez faire des surprises et ne pas les dévoiler, mais quelles sont vos prochaines initiatives dans les jours et les semaines qui viennent? Nous, la priorité, c'est l'élargissement, en fait. C'est vraiment ça. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise. On a, nous, des copains du Merlan qui sont allés vendredi sur un rond-point. Jeudi matin, donc on a mis en place un mouvement qu'on va appeler coup de théâtre au rond-point. Et du coup, c'est nos amis Gilets jaunes qui sont venus plusieurs fois ici aux assemblées et avec qui on a dialogué. Et du coup, ils nous ont invités à les accompagner sur une occupation de rond-point jeudi matin. Nous sommes allés sur le rond-point Florian, le nouveau rond-point dégueulasse qui a coûté une fortune à la ville et à tout ça. Et on s'est mis là-bas, c'était super, c'était génial. On est resté 2 heures. On a eu la visite des policiers qui étaient très, très aimables avec nous, très compréhensifs sur la situation. Je pensais qu'on allait faire un barbecue. Donc, c'était très drôle. Et je leur passe le bonjour d'ailleurs. Et c'était vraiment très intéressant. C'est pour ça que les flics sont venus. Ils voulaient profiter des merguez. Mais, en fait, c'est bien parce que ça prouve. Tu vois, il y a des exceptions qui confirment que les autres ne sont pas super. Mais en tout cas, là, on est tombé sur 3 qui étaient hyper intéressés sur ce qu'on revendiquait et tout. Donc, on a pu discuter. C'était chouette. Du coup, on est parti. Et puis, après, on fait des actions. Alors, on fait des actions de coup de poing, style
à l'aide de l'affichage, on met en place ça. On participe aussi au Vendredi de la colère, donc ça c'est un appel national. Bah, vendredi dernier, on a voulu aller devant Pôle emploi. Avant d'arriver, on était attendus par les flics qui nous ont. Alors là, cette fois, bien reçus. Cette fois-ci, voilà. Ils nous ont réquisitionné la banderole, ils ont demandé les identités de tout le monde. Huit policiers pour 30 personnes, 35, avec des bons gradés. Ça, c'est vraiment c'est un peu risible quand même. Et on se demande où sont mises les énergies des forces de l'ordre dans cette ville et dans ce pays. Quoi. Mmh. Et pour ce qui est des actions, donc en plus des Vendredis de la colère, qui est effectivement. Un cadre, en fait, c'est une journée pour des actions partout en France ciblées sur notre refus et notre demande du retrait total et définitif de la réforme de l'assurance chômage. Il y a des rendez-vous réguliers, en sachant que pour l'instant, là, nous, on est aussi en reconstruction, comme tous les théâtres en France, suite aux dernières annonces, de savoir ce que légalement on peut faire, à quel point on peut maintenir les programmes qu'on avait prévus. Et qu'on a besoin aussi de s'organiser un peu, mais concrètement quand même, sur le programme semainier, le lundi, tous les lundis, il y a Assemblée Générale Commune des lieux occupés de Marseille, en l'occurrence ici le ZEF Merlan, la Criée et le FRAC maintenant. Donc ça, c'est peut-être pas considéré comme une action, mais c'est quand même un moment d'information et voilà, et de réunion, et pour savoir ce qui se passe, c'est un bon rendez-vous. Ensuite, il y a des âgés, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en alternance sur les deux théâtres occupés. Et en fait, il faut venir nous voir parce que les actions, elles se préparent soit en atelier, soit elles sont votées en assemblée générale. Et c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parce que tout bouge tout le temps et que donc on prévoit les actions aussi au fur et à mesure des forces. Et aussi parce qu'on a senti que là, avec les dernières annonces gouvernementales, les préfets, ils ont sauté sur l'occasion pour durcir. Et donc là, on est attendu, on commence à avoir des théâtres qui seront délogés de partout, des pressions énormes pour qu'on quitte. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, en fait. On sait très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'être rejoints, c'est-à-dire plus on va être dans la course, plus ils vont avoir du mal à nous déloger. En sachant que du coup, il faut aussi rassurer les gens sur le fait que nous avons, je le redis, hein, pardon, mais nous avons le droit de manifester. Et donc, toute assemblée ou structure qui déclare un moment militant à la préfecture, donc ça, c'est une des options qui est en train de se mettre en place et qui est déjà mise en place dans les théâtres qui étaient concernés par les premières mesures, donc les 19 départements au préalable qui sont rentrés en mesure renforcée. Eux ont maintenu leurs agora, leurs actions, leurs moments de rencontre avec les gens en déclarant en fait des temps militants. Et nous avons le droit, voilà. Donc c'est important de le redire. N'ayons pas peur. Il existe des autorisations, enfin des déclarations. Des déclarations. Oui. Préalable de participation à un événement et de manifestation, oui. Qui est complètement légal. On peut remplir son attestation, dire je participais à une manifestation à tel endroit, à telle heure, tel jour, et à partir de là, on est complètement dans l'égalité. Est-ce qu'il y a une page Facebook, oui. Un endroit où il y a aussi la manifestation du 8 avril contre la précarité, qui n'est pas du tout liée à nous, mais à laquelle on va participer. Enfin, pas liée, elle est liée, mais je veux dire, ce n'est pas nous les organisateurs. C'est pas bien que vous en êtes, pas une grosse manifestation et donc à laquelle on va participer aussi. Voilà. Et oui, nous avons plusieurs outils de communication. La CRIE, me semble-t-il, fonctionne beaucoup avec la page Facebook Lieu essentiel occupé région sud. Ici, on a une autre page Facebook qui est en fonction de Merlan, mais on travaille aussi à réunir ça. Il est possible de nous contacter par mail aussi si besoin, si les gens ne passent pas par Facebook. On a une adresse qui est enfourchonlemerlan@protonmail.com. Et sinon, évidemment, il y a aussi un Instagram, il y a aussi la permanence ici. La criée de la criée aussi, ouais. En action. Voilà. Vas-y, Pierre, vous faites pas mal d'actions justement. Ouais, la criée de la criée, c'est les mercredis et les dimanches. C'est donc sur le parvis de.
sur le parvis de la criée, donc sur le vieux port. Donc hier c'était assez chouette, c'était génial, je confirme. Ouais. Il y avait une fanfare, on avait un open mic. Donc c'était lieu assez chaleureux. Oui, non, voilà, donc il y a du monde, donc n'hésitez pas à venir. Et c'est donc le mercredi et le dimanche à 14h30. Brunch à la criée. Ouais, absolument. Et pour l'instant, en effet, nous aussi, on a de la préfecture au téléphone. Et il n'y a aucun souci pour. On a déjà on va pouvoir déclarer mercredi et dimanche qui arrivent. Le seul point, pensons un peu trouble, c'est le fait de pouvoir ramener en faisant de la musique des gens. Est-ce que ça, voilà, il y a une zone un peu qui se. C'est encore la manifestation politique ou est-ce que ça devient la manifestation culturelle? Exactement. Alors, c'est pas exactement. Et alors là, voilà, ça va être un débat. Et nous, on a aussi un numéro de téléphone à communiquer pour le Merlan, pour nous joindre sur les occupants du Merlan. Donc, le téléphone de Enfourchon le Merlan, c'est 07 79 59 44 53. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à m'inviter à nouveau si vous souhaitez. Quand tu veux. Invité permanent. Des messages. Je suis à votre disposition. Gentil, merci Jean-Pierre. À très bientôt. Merci. Et merci à Radio Galère. Ben ouais. Merci Radio Galère. Bravo Radio Galère.